je tourne. Le moment où on va commencer à faire le contrôle, c'est quand il va commencer à mettre son bras dans l'autre sens. On va faire ça. À partir de là, là on a perdu le contrôle. C'est là que ça glisse. Et bien c'est là qu'il faut serrer. C'est là qu'il ne faut pas lâcher. Ok ? C'est au moment où son bras, il est ici, et le bras va devenir comme ceci. Pourquoi ? Simplement parce qu'en fait, il n'est plus en tension. Là, il est en tension, il peut résister. S'il est à l'inverse, il ne va pas faire avec le moignon, il ne va pas se mettre en tension avec un moignon. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Ben, il va faire le roseau, il ne va plus résister. Parce que déjà, il ne peut pas résister. Et deuxièmement, s'il essaie de résister, c'est là qu'il va se faire soumettre. Donc, il va se relâcher complètement. C'est là que la difficulté intervient et c'est là que votre contrôle doit être le plus efficace. Donc, je suis ici. Hop, j'enclenche, je prends mon pied à l'intérieur. Je tourne. Là, je serre fort. Et comme je sais que mon contrôle perd un peu en efficacité, je contrôle son corps. Je ne lâche pas, je ne lâche pas, je ne lâche pas, je ne lâche pas. Et là, je suis sur lui, là, je l'écrase complètement. Et là, je commence à me lever. Ok ? Si vraiment, vraiment, vraiment vous avez du mal à vraiment pas vous lever sur la clé, ben vous allez faire ceci. Vous allez venir chercher son bras, vous allez vous appuyer sur l'épaule et vous allez tirer. Ça c'est pour ceux qui ont vraiment du mal avec les jambes. C'est difficile de travailler uniquement avec les jambes parce qu'avoir les sensations qu'on peut avoir avec les mains, et là je vous le demande avec les jambes, c'est d'autant plus compliqué. Ben là ça va être le même topo. Si vous n'arrivez pas, ben, écrasez-vous sur lui, allez chercher son bras. Celui par la nature, il ne va pas rester là, il va essayer de le libérer. À un moment, il le libère, très bien. Je viens là, mon corps, je colle et je tire. Ok ? Soit l'épaule, soit le coude. Je descends sur son coude et j'appuie. Ok ? Donc ceux qui ont du mal avec les jambes, c'est normal, il va falloir le répéter. Ceux qui ont vraiment, vraiment du mal, ils n'ont pas les sensations au niveau des jambes, des membres inférieurs, vous allez compenser, vous allez venir directement au supérieur. Soit l'épaule, soit je descends mon corps sur le coude et j'appuie. Mon bras est toujours là. Il ne faut pas qu'il vienne à moi, il ne faut pas que je sois ici, que je sois ici. Là, je suis en contrôle, je ne veux pas qu'il vienne à moi. Là, je le maintiens. Tac. Ok ? Allez, c'est parti.